Trois jours déjà que les trains pour le Tarn ne quittent plus la gare Matabiau. Les travaux de doublement partiel de la voie entre Toulouse et Saint-Sulpice ont commencé. Et les sections Toulouse-Albi et Saint-Sulpice-Mazamet sont donc fermées à la circulation commerciale. Il a fallu trouver des solutions. Pendant ces 4 mois, vous aurez des autocars de substitution qui vont être sur des horaires et des itinéraires qui sont proches de ceux du quotidien des gens quand ils prenaient le TER pour ne pas perturber les circulations. Et puis, à côté de ça, vous avez des autocars directs entre les stations des Argoulets, Saint-Sulpice, Lavore, Castres, Mazamet, l'Île-sur-Tarn, Rabastens, Albi, Gaillac et Carmo, qui vont permettre d'avoir des temps de parcours proches de ceux du TER. Outre les gestes commerciaux, une campagne d'information voyageurs avait été menée en amont et se poursuit aujourd'hui. On a renforcé les équipes pendant les 3 premières semaines pour accueillir et orienter les voyageurs en gare. Et puis ensuite, pendant toute la période, évidemment, vous avez les contacts habituels, contact TER, le site internet. Ces travaux lancés par le Conseil régional et menés par RFF doivent doubler 18 km de ligne. Le trafic devrait reprendre sur les rails le 18 septembre prochain.